of living my dream. Don't worry, everything's gonna be alright. Yeah, everything's gonna be alright.
mouvement de la cigare sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Venez avec moi. C'est le moment de savoir ce que vous, chers membres du jury, vous avez pensé de cette prestation. Jean-René, allez-y. Je suis ébloui. Pour moi, c'est une surprise parce que je connais bien Nicole Miller. Et je l'attendais justement là où elle devait moduler. Parfait, parfait, parfait. Tu m'as vraiment... Que Dieu bénisse ce groupe. Belle interprétation. Ok. Merci. Merci de tout cœur. Je suis en train de retenir mes larmes pour pas qu'on dise que je fais des partis pris. Il n'y a pas de parti pris. Vous êtes là, vous avez entendu. Il y avait exact, aucune fausse note. Exact. Pas de demi-temps. Exact. Justesse. Exact. Harmonie. Exact, exact. Et en plus de tout, chère des poules et tout ça, là, tout ce qu'on recherche, vous l'aviez, vous étiez dedans. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Nous sommes toujours sur le plateau de cette demi-finale du Gospel Day. Nous continuons dans la catégorie New Genre avec le groupe Global Music sous un tonnerre d'applaudissements, cher public. Musique! Seigneur, j'abandonne mon cœur, reçois mon âme. Tout ce que j'avais, le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur.
C'est le moment de se tourner vers le jury pour savoir ce qu'il a pensé de cette prestation. On va commencer par vous, Maman Lydia. Allez-y. Je veux plutôt vous donner des conseils. Lorsque vous chantez, appuyez-vous sur autre chose que sur vos belles voix. Les belles voix, ce n'est pas suffisant. Si ça demandait que la voix, pour avoir un public, pour toucher les cœurs et pour chanter, en tout cas, moi, je ne serais pas artiste. Il y a encore des choses qui sont plus importantes que la voix. Et vous ne l'avez pas. Vous l'avez en chacune de vous, mais ensemble, vous ne l'avez pas. Vous êtes amis en dehors d'ici, je ne sais pas. Si vous voulez faire vraiment un groupe, faire équipe, passer le temps ensemble, prier ensemble, travailler ensemble pour nous donner quelque chose. Mais si je te prends toi, tu as une voix. Je t'ai entendu hier, tu as une voix. Et toi, je t'ai découvert, tu as une voix. Vous avez des voix. Peut-être qu'il faut vous séparer, soit il faut travailler d'abord sur votre relation à vous, votre relation, pour pouvoir donner quelque chose. Ça va? D'accord. Le tout puissant, c'est papa. Oh Yahweh nangai bolingo na Yesu.
Paul Balenza, votre avis? Vous avez bien chanté, bien presté. Et surtout que tu as bien écrit, hein. Tu as bien écrit les chants. Seulement, tu dois savoir que jamais Jésus sera notre papa. Il est notre grand frère, ok? Jésus, hein? Arosala kaka yaya na bisou. Nous sommes ses co-héritiers et non ses enfants. De la voix, il y a des instruments et je vous propose de le découvrir avec nos trois chorales de la catégorie qui seront les chorales Cœur la Grâce, la Cloche de l'Éternel et la Nouvelle Alliance.
Et pour ouvrir le bal, nous allons commencer avec Cœur la Grâce. Le chef de chœur est à mes côtés. Bonsoir Ambroise, heureuse de vous retrouver. Bonsoir. Alors, dites-nous en quelques mots, quelle est la signification de la chanson que vous allez interpréter? Bon, nous allons chanter d'abord en Tshiloba et puis en Kikongo. Voilà, donc le premier chant, c'est Tshanga Tshanga Mambulopo. C'est un chant, nous chantons l'espérance du salut et la grande célébration qu'il y aura au ciel, quand nous irons au ciel. Et le deuxième chant, c'est en Kikongo, et c'est Luandinga. Écoutez la voix du Seigneur. Il vous appelle aujourd'hui, et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Heureux les hommes et les femmes qui ont entendu cette voix et qui l'ont acceptée. La gloire du Seigneur, c'est leur partage. Merci. Merci à vous, Ambroise, et je vous souhaite bonne chance. Mais franchement, quand c'est beau, la beauté s'impose. Vous vous êtes imposé, c'était waouh. En fait, quand je vous regardais, je me suis sentie comme un petit enfant qui apprenait de l'art. Félicitations.
Bravo, bravo. Je vous prierai de les applaudir encore un peu, s'il vous plaît. On va se tourner vers les membres du jury. Paul Balenza, allez-y. Bon, moi j'ai dit que vous n'êtes pas si loin de ce que vous avez fait hier. C'est-à-dire, vous êtes un bon groupe et vous méritez peut-être de gagner aussi. Vous méritez, vous n'êtes pas différent des autres. Mais seulement, vous vous donnez plus dans le chorégraphique que dans les voix. Il y avait surtout, pour la première chanson là, et il n'y avait pas l'harmonie de voix, on criait, mais il n'y avait pas synchro ou quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Mais seulement, il faut aussi savoir la différence qu'il y a entre un chant, chanté comme ça, et l'opérette, quoi. Ou l'opérette. Si vous commencez à illustrer un chant par des scènes, ça, ça devient l'opérette. Nous avons plus besoin de vos voix. Et puis du message que vous donnez, c'est vrai que vous devez communiquer, mais plus besoin de voix et besoin de rythme. Mais c'est fameux, c'est bon. J'apprécie. Merci. Nous continuons dans la catégorie gospel folklorique. La chorale qui va se produire maintenant est la chorale La Nouvelle Alliance. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Musique. Nous sommes des artistes aussi. Hein. On a senti, beaucoup de gens pensent que quand, lorsqu'on parle de l'improvisation, donc c'est réellement quelque chose qui n'a pas été travaillé, c'est faux. Artistiquement, lorsqu'on parle d'une improvisation, c'est quelque chose qui s'est fait avec un soubassement d'un thème musical. C'est-à-dire que ça doit être travaillé et répété, tu dois avoir des références. Et pendant que tu chantais et que tu tentais d'improviser, parce que tu es très malin, en mettant les liputanaloukets, tu voulais nous emballer avec tes danses là.
pendant que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Pendant que tu chantais, il y a ce qu'on appelle en musique une mesure. Elle peut être à 4 temps ou 3 temps. Elle était bouclée. Et toi, tu ne savais pas où commencer et où terminer. Parfois, tu restais là pour essayer de rattraper les temps. Et tu avais oublié que tu étais en face de toi, il y avait des artistes musiciens. C'est du tâtonnement. Merci Jean-René. Merci. Bref, et puis ne dis jamais Nzambakeli, Motomutoko, Bomanzambete, parce que Christ est venu, l'homme l'a tué, il est ressuscité après 3 jours. Et puis encore, tu ne peux jamais dire Nyamakoikoko, Bomanzambete, c'est vraiment humilier notre Seigneur. Je suis contre ça. Voilà. Et puis, petit frère, la voiture que toi tu montes, petit. L'intelligence que l'homme a eu pour faire ça, ça vient de qui? Nous sommes toujours sur le plateau de la demi-finale du Gospel Day. C'en est désormais fini avec la catégorie folklorique. Qui sera l'as de cœur de cette catégorie? Car je vous le rappelle, il n'y a qu'une seule place par catégorie pour la grande finale qui aura lieu le 16 août à 16h au Théâtre de Verdure. Tellement Kirk Franklin qu'hier c'était du Kirk, aujourd'hui ils ont, je connais même la tenue que Kirk avec son croyé porte pendant le concert où il interprète Hosanna Forever. C'est très bien, mais à la prochaine il faut améliorer. Si vous passez, il faut améliorer, parce que la difficulté, le dirigeant ou le celui qui dirige le chœur maîtrise bien, mais les leaders ne maîtrisent pas tout ce qui se passe derrière. Et ça pose problème en termes de synchro avec celui qui est devant. Parce qu'il ne voit pas souvent ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour bien rendre, quand vous suivez vous-même, Kirk, de temps en temps, il bouge, il move, il va. Mais là, c'est toi qui joues le rôle de Kirk pendant que tu ne chantes pas. C'est ça la difficulté. Et c'est ce qu'on a connu hier. Notre frère qui était Kirk Franklin, félicitations, était parfois en désynchro avec le batteur, tout simplement parce que le backing vocal, le background était derrière lui.
Mais j'aime bien, c'est tenter d'interpréter Kirk Franklin, c'est formidable. Dans l'avenir, il faut améliorer. Et si l'arrivée que vous arrivez en finale, tenez compte de tous ces éléments. Nous sommes dans la catégorie gospel classique américain ou gospel afro-américain. Le groupe qui va se produire maintenant est le groupe C'est Noël. Je vous prierai de les applaudir. Musique! Le jour l'honneur de Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés à la croix du calvaire. Célébrons-le, come on. Célébrons Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Chantons tous pour celui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés. Forever we
belle performance. C'était mieux que hier, franchement. Plus, en tout cas, mieux que hier. Mieux que hier. C'était mieux que hier, j'ai beaucoup aimé. Prochainement, s'il y en aura, prochainement, faites passer vos émotions. C'était très beau. C'était vraiment réussi. Les voix et tout, moi, j'ai beaucoup aimé. Laissez-nous entrer dans votre cœur. Invitez-nous chez vous. C'est tout ce que je demande. Faites-nous entrer chez vous. Faites-nous sentir ce qui vous fait chanter. Et ça sera parfait. Mais magnifique, c'était beau. Félicitations. Nous sommes toujours dans la catégorie gospel américain classique. Le groupe qui va se produire maintenant est le groupe Luc Gillon. Sous vos applaudissements. Gonna trouble the water. Wet into water. Wet into water. Children, wet into water. God's gonna trouble the water. See that bell hall grass in pie. Sing a wet into water, wet into water, wet into water. God's gonna trouble the water. He's up! He's down! He's down!
Sincèrement, je voudrais dire quelque chose de très intéressant et de très important. Cette chorale confirme qu'avoir le talent ne suffit pas, mais il faut savoir le rendre. J'ai vu défiler beaucoup de voix extraordinaires que je ne pouvais même pas comparer par rapport à la voix de ma sœur. Mais elle a su se mettre dans la peau de la chanson avec son âme et l'a transmise. Et c'est ça une interprétation parfaite. Wow! C'est ça une interprétation parfaite. Oh, formidable. Luc Julon, je vous retrouve comme je vous aime. Et vous étiez où, madame? Vous étiez où? Je vous retrouve comme je vous aime, juste à mon goût, pas plus, pas moins. Magnifique. À mes côtés, le groupe Nodassa, qui fait partie de la catégorie gospel classique américain, musique. I want to talk to somebody here. I am higher, higher. It's my revival.
Franchement, j'ai aimé, il y a du travail, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé. Et moi, je suis réaliste, parce qu'en même temps, je suis artiste. Une très belle exécution, mais je ne suis pas toujours convaincu quand il n'y a pas de nuance dans une chanson. On doit commencer un peu bas ou on commence un peu plus fort. C'est un paysage, s'il vous plaît, mes amis. Vous pouvez faire une très, très bonne prestation. Mais quand tout reste linéaire comme ça, jusqu'à la fin, c'est ça la chanson. Moi, quand il n'y a pas de nuance, ça me dérange. Vraiment, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Mais c'était une très belle prestation, sans nuance. Maman Lydia, allez-y. D'abord, l'uniforme est tellement beau. Vous êtes très beau dedans. Très bien habillé. La première prestation, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme si les frères ne se sentaient pas très à l'aise dedans. Je pense que vous devez nous exposer les meilleurs de vos pions comme toi. Il faut toujours exposer les meilleurs. Il faut mettre toutes les chances de votre côté. C'est une compétition. Mais félicitations, c'était bon. J'aime bien quand tu fais le négligé là. C'est très beau. C'est la demi-finale. La chorale qui va se produire maintenant est la dernière chorale de la catégorie gospel américain classique. C'est également la dernière chorale de cette demi-finale à se produire. Il s'agit de la chorale Sol des Anges, sous vos applaudissements.
pense que c'est vraiment une chorale de l'avenir. Une chose que j'ai remarquée, c'est que vous n'avez pas une puissance vraiment de voix, mais vous êtes trop éloigné des micros. Alors, les chœurs ne sortaient pas vraiment. Mais, on sent quand même l'expérience n'est pas encore là. Parce qu'il suffit que l'un d'entre vous fasse erreur et tout le monde est pratiquement, il se regarde de voir. Non, faut continuer. Mais c'est une très belle chorale. Et dans 2 ans, c'est trop même. Dans 1 année, si vous êtes ensemble quand vous êtes là, vous serez les vrais champions de gospel. Félicitations, courage. Merci, Paul. Merci, mais moi je me suis dit, mais où est partie l'innocence de mes enfants? Où est partie cette innocence? Parce que hier j'étais, mais j'ai compris. Un, le pianiste, il était médiocre. Et le maestro n'a pas pu choisir les répertoires qu'il fallait. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Vous partez, il faut monter étape par étape. L'innocence était représentée par une jeune fille qui était là et vous lui donnez un rôle de second plan. Allez-y comprendre les conséquences. Merci Jean-René. Maman Lydia, allez-y. Je crois en vous. Je crois qu'avec beaucoup de détermination et de travail, vous deviendrez grand. Parce que lorsque vous étiez en train de chanter, nous étions en train de nous dire que petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Et Dieu vous a déjà prêté cette vie. Devenez grand. Si dans 1 année ou 2 ans, vous ne devenez pas grand, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de vos familles, c'est votre propre faute. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être grand. Merci, merci. Sous vos applaudissements, encore une fois. C'était la dernière chorale de ce Prime. La dernière chorale de la catégorie Gospel Classique. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir qui seront les 4 finalistes du Gospel Day. Merci. Vous regardez Gospel Day, le Prime. Nous sommes dans la partie de la compétition qui sont les demi-finales. Je vous rappelle qu'au début de la compétition, plus de 40 chorales sont venues pour essayer de devenir le grand gagnant du Gospel Day. De 40, nous sommes passés à 16 demi-finalistes. Et à l'issue de cette délibération du jury, il ne restera que 4 finalistes. Je vous explique le principe de la délibération. Nous allons procéder catégorie par catégorie. Il y a un finaliste par catégorie. Et nous allons appeler uniquement les chefs de chœur. Je vais maintenant donner la parole à notre président du jury, Monsieur Jean-René Balekita. Et nous allons commencer par la catégorie a cappella. Merci. Nous tenons d'abord à remercier tous les groupes participants. Merci pour tous les sacrifices consentis, beaucoup de volonté, beaucoup de patience et beaucoup d'envie d'aller loin. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous que ça a été une réussite. On peut les applaudir très très fort. Merci. Je sais que tu peux être deuxième, troisième ou quatrième. Ce n'est qu'une étape. Il ne faut jamais baisser les bras. Il n'y a pas de victoire en mi-chemin. Il faut continuer à travailler. Dans la catégorie a cappella, voici le regagnant, le groupe qui va en finale et qui va mériter la gagnante. Le Zou. Le Zou. Le deuxième, c'était GDK. Et le troisième groupe, c'était Zilam. Nous allons passer désormais donc, à la catégorie folklorique. Pour la catégorie folklorique, moi je commence par le troisième groupe. Le groupe Nouvelle Alliance. En deuxième position, c'est la
approche de l'éternel. En première position, c'est le cœur, la grâce. Nous pouvons passer à la catégorie gospel classique américain. Voilà, je commence aussi par le 30e. Pour la catégorie gospel classique américain, à la 3e position, nous avons le groupe Saint-Noël. À la 2e place, nous avons Nodassa. Et à la première place, vous tuez en mission. Qui est le dernier finaliste de la catégorie New Genre? À la troisième place, nous avons A, Mélodieuse. À la deuxième place, nous avons le groupe Go Go Singers. Et à la première place, nous avons les privilégiés. Nous avons nos 4 finalistes du Gospel Day. Je vous rappelle que les 4 premiers finalistes vont remporter une bourse de 4 000 $ et qu'ils seront à la grande finale le 16 août à 16h au Théâtre de Verdun sous vos applaudissements. Merci aux membres du jury pour cette superbe émission, pour votre participation. Merci à toutes les chorales qui ont participé aux demi-finales. Nous vous encourageons pour la suite. Beaucoup de bonheur. J'espère que ça va aller. Et nos 4 finalistes, je vous demanderai de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'ils étaient plus de 40. Plus de 40 au début de la compétition, ils ne sont plus que 4. Gospel Day, c'est maintenant terminé. Ce prize des demi-finales est maintenant terminé. Je vous rappelle que donc nos 4 finalistes, la chorale de Zou, Cœur la Grâce, Luc Gillon et les privilégiés de l'éternel, encore une fois, sous applaudissements, cher public. Je vous rappelle encore une fois, ne ratez pas la grande finale qui aura lieu au Théâtre de Verdun. L'as de cœur de cette première édition du Gospel Day. Gospel Day, le prize est terminé. En attendant, je vous rejoins mercredi pour Gospel Day Hebdo et dimanche prochain. Bonne soirée, au revoir et merci. Gospel Day.